Salut, salut. D'accord. Bon, je fais cette vidéo parce que c'est une instruction spéciale. L'esprit m'a dit, il y a beaucoup d'entre tes gens qui te suivent là. Ils sont pas encore préparés au succès. Donc, je dois absolument venir vous parler du succès. Pourquoi est-ce que mon ring light me laisse tomber maintenant? Ring light, qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi tu me fais ça? Ah ouais, tiens, j'ai mon truc ici, j'ai mon trépied là. Pourquoi je me casse la tête comme ça? Est-ce que vous savez que vous devez vous préparer au succès? Clara, bonjour. J'étais occupée à vivre. En fait, j'ai un ami qui m'a appelé ce matin. Il me dit, on s'en fout des problèmes. Du moment où une personne te fait un problème et ou encore si quelqu'un t'attaque et que ça ne coupe pas ton cœur, mais tu t'en fous. Je me suis dit, mais tiens, c'est vrai ça, Serge. Donc, je voudrais vous introduire à une partie de succès que vous n'avez pas considérée avant. Bonjour TikTok, bonjour. Vous savez, je parle de lavage tous les jours. Lavez-vous avec du sel. Pourquoi on se lave avec du sel? Vous savez, naturellement, dans votre droit de naissance, vous avez beaucoup d'argent qui est en train de venir vers vous. Naturellement. Maintenant, vous avez on va dire des quoi? Des mauvaises énergies, de l'adversité, des Decepticons, des fausses tantes, des faux oncles, des amis, des followers qui ont pour but de venir prendre votre joie. Et je ne sais pas pourquoi. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Et la vie ne t'a pas vraiment donné un bon départ. Si tu es sur Facebook à ne presque rien faire, ça veut dire que tu as eu un départ assez controversé. Je veux prendre avec vous, je veux qu'on voie un peu l'attitude des gens qui ont l'argent. Ceux qui ont l'argent sont toujours. Vous allez monter à un certain niveau. J'ai un oncle qui a été footballeur professionnel pendant beaucoup d'années. Et je me rappelle quand je partais chez lui. En fait, il a une Bentley et une grosse Mercedes avec un gros moteur. Je sais pas, j'étais un peu très jeune. Il a une, mais la Bentley, au moins je me souviens. Il a la Bentley dans son garage et il est assis sur l'ordinateur en train de regarder National Geographic ou bien un petit truc comme ça. Et très très zen, hein? Genre cool. Le soir, il dit, on va se faire un chinois. Il dit, laquelle des voitures? Bon, allez, on prend la Bentley. Vous allez voir que pour que les gens arrivent à laisser là un certain degré d'argent entrer en eux. Il y a des choses qu'ils ne considèrent même pas. Tonton, est-ce que tu connais que. Tonton dit non, 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 allez, on va chez lui, vite, on fait du shopping. Toi, tu as grandi chez ton père et ta mère ou bien ta tante. Non, pourquoi tu fais ça? Tu as vu ce que la mère est venue parler de mon quartier? Ah, elle va me voir. Tu as vu comment elle m'a regardé? Celui qui a l'argent, il n'est pas dans les choses comme ça. Vous passez le temps à vous engueuler avec vos voisins. Celui qui a l'argent, c'est l'une de ses résidences. Et si vous vous
s'amuser, même il paye le loyer là-bas, il ne vit même pas là-bas. Ah, ah yeah. Tu es sur le canapé de quelqu'un, tu fais les problèmes à la personne. Ah, France, tu as un témoignage, c'est super. Écoutez, le lavage au sel, il y a des fausses énergies, des faux problèmes dans lesquels on vous prend chaque jour. Est-ce que tu connais que ton argent, ce n'est pas ici, c'est là. Même les followers. J'avais une époque où j'avais les followers, que quand il vient te faire une offrande de 50 000, il croit qu'il a droit. Ah, je t'ai donné 50 000. Hein. Il dit que quoi? Bah, tu as fait l'offrande de 50 000, là. Tu veux maintenant, baptême midi soir, tu veux m'appeler au téléphone. Hein? Vous allez voir que, même question business, il y a des activités. Les gens qui ont les activités qui leur donnent le plus d'argent. Man, il entre en réunion par exemple. Oui, ok, tu vas à Dubaï. D'accord. Oui, je t'ai déjà payé le billet d'avion. D'accord. Oui. D'accord. Tu me ramènes. Oui, ramène-moi la marchandise de 25 000 dollars. Super. Ok. D'accord. Oh, le poulailler, on a perdu 45 000 poulets. Oh non, t'inquiète pas, c'est seulement 140 millions. Non, pas de soucis, pas de soucis. Ok, ça va. Allez, il va falloir qu'on restructure un peu le poulailler. Je dois aller en Turquie pour voir comment je vais encore prendre. Les conversations ne sont pas les mêmes. Un jour, je reçois un homme à Douala. Tu le vois, il est très beau, très élégant. Quand tu le vois, tu crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, c'est quelqu'un qui a... Non, le monsieur te... Il arrive. Ouais, j'ai voir ma copine, elle est venue de la Belgique, elle m'a... Tu vis où? Oui, je vis, j'occupe une chambre où je paye 25 000 le mois. Il y a mon bailleur, chaque nuit elle vient à 18h pour couper la lumière chez nous parce que... Il dit que monsieur... Ok, tu dis samedi, dis, je le fais tous les jours depuis lundi et je reçois des montants d'argent tous les jours. Ah ben ça c'est super. C'est bien ça, ça me fait plaisir de voir ton témoignage. Au moins 10 000 francs. Tu sens que ton énergie intérieure est renouvelée. Bienvenue dans le club. C'est pour ça que quand vous me contactez souvent, j'ai dit, depuis le début, quand tu me contactes, je n'ai pas l'argent. J'ai dit, va te laver avec le sel. Je sais que il y en a parmi vous que chaque jour, tu es censé avoir au moins 5 millions. 5 millions. 5 millions. Maintenant, tu as les faux. Oh, mon bailleur, ma bailleuresse. Dès que tu sors, tu es en train de brosser tes dents comme ça là. Et te gueule. Pourquoi tu craches là-bas? Ma chérie. J'ai dit au jeune homme là qu'à ton âge, tu as 31 ans. Tu es encore dans la chambre de 25 000. Tu es dans la chambre de 25 000? Avec une bailleuse qui te dérange? Gars, c'est dépassé pour toi. Voilà encore l'autre. Bameya, tu dis que depuis un mois, tu te laves avec le sel, tu as les ouvertures d'argent. Pardon, venez en bas de mes vidéos, vous commentez, ou comme ça les gens vont voir. Ils vont arrêter de m'insulter sur TikTok. Je suis encore en combat avec TikTok. Mais je ne combats même plus avec TikTok. Vous allez voir que je réponds très peu aux commentaires de TikTok parce que vous allez voir des gens qui ne comprennent pas, qui vont venir te dire que va là-bas. D'abord, le langage même. Même si tu sais Jésus-Christ et que tu veux convertir tout le Cameroun. Donc, la première chose que vous devez faire quand vous commencez à laisser votre énergie monter. Oh, merci pour le gros cœur, beauty. Oh, thank you. That's so nice. Thank you. Thank you so much. Thank you. Certains d'entre vous, vous devez commencer à laisser les petits problèmes. On s'amuse, tu leur laisses le loyer, tu laisses les 25 000 là que tu payais là-bas. Tu fermes ta porte. Tu vas chercher la maison ailleurs. Ça m'est arrivé récemment. J'emménage chez une dame. Oh, hop. Parce que je suis en train de finir ma part de ça. J'emménage chez une dame. Hop.
Elle commence à envoyer sa ménagère chaque matin. Voilà encore Eva qui dit avec le sel et. Ah, ouais, ma. Attends. Avec tes sels, allons, hein, ma reine, c'est la mort, mon Dieu. Ma vie a changé. Vous avez vraiment les métaphores. Hein. Oui, même si tu as les rapports avec ton homme, tu peux faire le bain de sel. Donc, j'aménage chez la dame. Je suis restée un jour comme ça, j'ai dit, je dois partir de la maison dans 3 jours. On dit, il faut 1,7 million, c'était combien? Je crois que le loyer là-bas, c'était 150 000 le mois, je pense. Je pensais. J'ai acheté un appartement de 200 000. Le l'agent immobilier dit que non, c'est cher. Je dis que c'est quoi, c'est ton agent. Donc, il cherche, il trouve l'emploi. Je crois qu'au bout de 4 jours, j'étais partie. J'arrive chez la dame. Je vis ma vie. Après, je vois que chaque matin, il y a une ménagère qui vient. Elle regarde mes poubelles. Elle m'a dit que oh, tu as laissé la poubelle sans sentir sur tout l'immeuble. J'ai dit à mon gars que tu sais quoi? On a déménagé d'ici. Il dit que oh non, quand même, ça fait 6 semaines, ça fait 4 semaines qu'on était là. J'ai dit qu'on va partir. Si elle s'amuse, hein? Si elle s'amuse, même le loyer là, on laisse, ça tourne. J'ai la chance que c'était une femme qui était très. Elle n'aime pas. Elle n'aime pas le genre que tu as. Demain, tu as dit que j'ai pour mon argent. Elle a pour mon argent. Elle n'aime pas ça. Donc, on lui a donné. Dès qu'elle lui a dit qu'elle devait déménager, j'ai déménagé 3 jours après qu'elle lui a dit qu'elle partait. J'ai laissé encore le loyer tourner 1 mois. Et l'appartement que j'ai trouvé, on utilise le talkie-walkie pour parler dans ma maison. Je me mets dans ma chambre. Je veux parler à ma ménagère à la cuisine. Je parle le talkie-walkie. Ouais. Élevez pour vous aider. Les gens s'amusent. Tu as même 5 appartements dans 5 villes différentes. C'est quoi? J'ai écouté un truc là juste avant de vous parler. Il y a un monsieur qui disait qu'il a vu un jour une de ses clientes qui a ouvert, on a ouvert les galeries Lafayette la nuit à 22h pour qu'elle achète une bouteille de parfum qu'elle avait oubliée chez elle au Qatar. J'aime entendre des choses comme ça. J'aime ça. I like it. J'aime que oui. Voilà, je fais environ 3 jours par mois dans mon appartement. Après, je vais à Marseille. Après, je vais à. Souvent, tu restes, ma mère. Voici l'endroit où tu dois vivre. J'ai ma vie dormir sur ce lit. Tu pars à l'hôtel, tu payes même 100 000, tu te couches toi là-bas. Le matin, tu portes tes pieds, tu rentres chez toi. L'argent est bien. Je sais que vous avez fait beaucoup de prières. Maintenant, Dieu va commencer à vous tester comment. Quelqu'un va te faire les problèmes ici-là. Hein? Tu vois, quand tu as le problème avec un gars, vous vous séparez. Il commence à faire genre, c'est moi qui ai acheté ça. Tu dis, baby boy. Tu prends ton sac à main, tu sors de la maison. Il te supplie encore que tu viens chercher le reste de tes choses fatiguées. Et le jour où tu te vois, tu as une nouvelle voiture, tu as de nouveaux vêtements. J'aime le manque de respect, ça me plaît. Seigneur. Écoutez, excusez-moi si vos messages de plainte, je n'arrive pas à lire. Je suis dans mon. Je dois un peu. Je suis comme sur une piscine. Je flotte dans l'argent. Vous comprenez? On vient. Voilà, c'est. Attends, tu as fermé mes habits dans ta maison, dans ton appartement. D'accord. Ok. C'est dans 1 mois que vous venez chercher ça. Et en venant, tu me regardes de la tête aux pieds. Tout ce qu'il y a sur moi est nouveau. Ayez votre argent. Ayez votre argent. Ouais. L'âme est bien.
on vous jalouse parce que vous avez prévu de demander le visa pour toi. Et que tu es parti, tu demandes l'avion pour toi, c'est le taxi. Oh oui. La prochaine fois que tu veux voyager et que tu vas acheter le ticket, pour rien comme ça, prends le business class. Prends le business class. Pas tu t'assois, si tu vois. Tu vois aussi, tu vas mourir. Ceux qui sont là-bas, donc ils sont. Il y a quoi sur eux? Il y a quoi sur eux? Oh, toi, on va venir te manquer de respect. Il y a même les gens chez qui il y a vos choses que vous devez laisser. I did dash you. Tu aménages avec quelqu'un, tu achètes, tu meubles la maison. Après, la personne commence à faire gni. Hein? 2 semaines plus tard que j'ai aménagé, j'ai meublé tout un nouvel appartement. Tout commence dans la tête. Tout commence dans la tête. On vient, on veut te faire un peu les problèmes. Ah, la femme, c'est trop cher. Vous-même, vous savez, mes produits là, ils n'ont pas everybody. C'est pour ça que vous mettez les vidéos. J'ai dit, écoutez mes vidéos, pardon. Just listen to my videos. Je vous dis le sel, faites-le. Allez sur ma page TikTok, il y a tout là-bas. Quand vous venez dans les directs, pendant que je suis en train d'enjoy mon argent, vous voulez encore me poser quelques questions pour que je sorte de ça. Non, vous devez vous habituer à l'argent. Tu restes souvent ça, tu dis qu'on ne peut pas aujourd'hui. Toute la semaine, si on ne peut pas à la maison. Reste là, tu prends la ménagère. Prends la ménagère pour rien. Hein, tu veux montrer que quoi dans le quartier ici. Hein? Tu n'es même pas mal. Tu n'as même pas les enfants. Tu as seulement une maison d'une chambre. Une chambre, un salon, puis ça ne t'aide pas à nettoyer. Hein? Hein? Quoi? Prends la ménagère. Tu te couches aussi au salon le matin. Tu zappes la télé. Tu es sur TikTok, tu regardes tes vidéos. Ouais, allez, on va faire un tour. Après, tu te prends un chauffeur. Il y a beaucoup d'entre vous que après la vidéo, si vous allez prendre la ménagère. Mm-hmm. Bonjour depuis Malabo là. Vous allez prendre la ménagère. Merci pour tes cœurs, beauty. Oh, tes cœurs là me plaisent. J'ai dit que je suis d'humeur. L'argent. Quand j'aurai l'argent. Hey. Non, moi j'ai déjà. Vous devez commencer à confesser que j'ai déjà l'argent. Et ça commence toujours par une petite chose. Tu prends ta ménagère, tu mets à la maison. Tu remarques que tu as plus de temps. Après, tu vas te faire des massages au salon. Tu vas faire au spa, tu fais tes massages. Pourquoi c'est ceux qui ont l'argent qui sont toujours dans les salles de massage? Hein? Hein? J'ai déjà l'argent. Oui. Tu as ta propre voiture que tu conduis déjà. Après, tu regardes ta voiture, ça, tu dis, il faut que je loue même un Range Rover pour 3 jours. Oui, 100 000 la journée ou 150 000, prenez ça. Hey. On ouvre la voiture. Madame. Hey, 450 000, c'est moi pour 3 jours. Tu sais ce que tu aurais pu faire avec l'argent là? Et vous savez, ça énerve les gens. Elle se prend pour qui? Elle croit même que quoi? Ouais, les gens vous observent. Les gens vous observent. Oh! Vous voyez les gens qu'avant là, tu vois, il y a cela 6 mois, elle venait prendre un service chez toi, qu'elle te donnait 100 000 comme ça, elle croyait qu'elle est ton Dieu. 100 000, je l'ai fait en 5 minutes, moi. What are you talking about? What are you talking about? Like. Hmm? Ok, c'est quoi le restaurant le plus cher de la ville, c'est là? Ah, Bonapriso, oui, en face de. Ah, d'accord. Ben, on y va demain alors. Je vais voir combien je peux dépenser. Je vais voir si je peux manger 1 million en une soirée. Allez, allons-y. Allons-y. Il y a souvent les endroits que j'arrive, tout le monde commence à dire que l'hôtel est cher. Ah, c'est cher jusqu'à. J'ai dit que je vais partir là-bas et voir s'il veut mourir. Je vais voir
si je vais mourir, Chantal, quand tu arrives quelque part, tu t'assois, tu écoutes ce qu'on dit. Tu as compris, Chantal? Hein? Tu t'assois, tu écoutes. Tu pars là-bas, on te dit, on met le menu, on dit chocolat chaud. Une tasse de chocolat chaud à 50 000. Donnez-moi, tu prends. J'ai bu le chocolat chaud de 50 000. C'est aussi bien, non? Ah, pour non. Scarlett, tu as fait la demande pour participer, ma chérie. Le kit commerce marche surtout, ma chérie. Je vais prendre la pizza de 70 000. Je vais aussi voir ce qu'il y a dans la pizza, là. Goyon. Les macarons de 150 euros. On te présente 20 macarons. C'est ça, 100 000? C'est ça, 100 000 francs? Ok, mangeons 100 000. Vous avez compris comment manger l'argent, non? Mais ce qui est bien, c'est que l'argent est bon quand tu manges. Aïe. Tu te tiens pour ça là. Il y a un hôtel où j'ai dormi une fois en Côte d'Ivoire. Ouais. Donyo Jomo, j'espère que tu n'as pas un problème avec moi. Tu as compris. D'abord, le lit de l'hôtel là, ça, c'est comme si ça t'avalait. C'est comme s'il y avait quelque chose dans le lit là, que quand tu te couchais sur ça, ça faisait que... Un peu comme la Bentley. Je ne sais pas si vous êtes entré dans la Bentley. La première fois que je me suis assis dans la Bentley, c'était avec mon oncle. Ha! J'arrive à Newcastle, il me dit, je viens te chercher. Et voilà, j'arrive. Il garde. Je ne savais pas qu'il avait la Bentley. Le moteur de ça, c'est la chimamelu. En fait, l'argent a toujours été dans mon sang. Voilà. Il arrive, j'arrive là. Il fait, il garde. Tac. Bonjour, tonton. Je m'assois dans la voiture. Je vois la voiture faire comme ça là. Il dit, hein? Ça commence à chauffer mes fesses. Et tu vois, quand tu as pas un peu villageois là. Je reste comme ça, ça chauffe. Je reste comme ça là. Ma bouche veut parler que tonton, ça fait quoi ça? Après, il dit que fais aussi comme si tu connaissais l'homme. Ça fait aussi comme si tu connaissais l'homme. Il fait semblant, je reste. Ça, après un moment, ça commence à faire comme ça sur mon corps. Ça fait comme ça là. Ça fait comme ça là, ça va. L'argent. Oh. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre plus tard. Ok? Non, l'hôtel était bien. Même pour aller manger, tu arrives au restaurant. Tu vois d'abord le menu. C'est la moitié du salaire de quelqu'un le matin. À midi, c'est la moitié du salaire de... Je dis que dans une journée, quelqu'un peut manger. C'est pas parce que tu vas t'asseoir comme ça là. Et c'est le buffet. Ça veut dire que... Oh, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, le conditionnement mental que moi j'ai eu me dit toujours ceci. Si je veux vivre et je loue ma voiture 150 000 la journée, voilà mes objectifs. Hein. Voilà comment je pense. Je ne vois pas que non, si j'économise, j'ai besoin. Ok, 150 000 multiplié par. Oh, mon téléphone. Bon, je suis en train de viser mes deux téléphones. Ça veut dire que ça va me faire par mois 20 millions. Il faut que. Non. Non. Si je dépense 150 000 dans la voiture, 150 000 dans l'hôtel, nourriture 100 000. Ça fait combien? 400 000 francs. Shopping, mettons 200 000. On est gentil le jour là. Ça fait 600 000. Baby girl, conditionne-toi. Si bien que le confort que tu t'offres t'apporte les idées que quand tu vas valoriser, ça va te donner minimum 1 million par jour. Tu vas voir que il y aura des jours où tu vas avoir un mode de vie que tu ne pouvais même pas imaginer avant. Waouh, avant je devais réfléchir.
150 000 francs, c'est le salaire d'un mois et demi de quelqu'un. Mais voilà que je claque ça sur une voiture en une journée. J'ai fait ça. Tu es parti dormir à Crystal Palace. Il te connaît. Il te connaît, la reine Roland. Il sait que c'est toi là-bas. Il te connaît. Il te connaît. Il sait que tu es capable. Tu arrives là, tu te couches même après, tu dis que bon, à minuit, tu dis que j'ai fini, je ne veux plus. Tu peux te faire, tu pars et tu as payé, je te connais. En tout cas. Ouais, Seigneur. Changer la chanson de Kossi. J'ai déjà l'argent. Rappelez-vous que je mentionne toujours, dans ta tête, si tu dépenses. Moi, c'est comme ça, hein. Il y a des jours où je dépense des millions. Et je dis toujours. Pour que je sois en mesure, tac, 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 je m'assois et je me focus. Voilà, tu as bien parti manger. Je suis sûr que tu as payé la nourriture. Je te connais. Tu parles, tu manges, tu dis que non, je veux que le couscous soit jaune. Tu laisses la nourriture de 100 000 que tu as payé là-bas, tu parles, mais le couscous soit jaune. Le luxe, c'est quelque chose qui est dans les gènes. Il fallait que je fasse cette vidéo aussi. Parce que souvent, on a fait trop de combats spirituels, si bien qu'on oublie même, on oublie. Ah. Ah. J'ai besoin de faire un tour à Dubaï. Ouais. 4 jours. Ouais. Avant de passer un peu l'argent. Tu arrives là-bas, tu es en croisière, tu rencontres quelqu'un qui te donne un business de 50 millions. It is there. It is in the mind. Do you understand? Do you understand me? Je connais. La reine Roland, il dit que je suis sûr que dans un monde, je suis ta jumelle parce qu'elle te connaît trop. La première fois qu'elle arrive d'abord chez moi à Douala, elle arrive. À l'époque, j'étais constamment à Douala. Donc, quand tu arrivais, tu n'avais pas besoin de payer le VIP. Elle arrive. Elle dit, madame, payez la consultation. On vient au bureau, on me dit, madame, vous devez. La prochaine personne, c'est une dame qui vient d'arriver. Elle a payé le VIP, elle a payé ceci. Je dis, ok, faites-la entrer. Je ris. Elle dit, oui, je finis la consulter. Elle dit, à quoi que bon, voilà ton âge de baigner, je ne sais pas trop. Elle me dit que c'est l'argent de quoi. En fait, c'est comme si l'argent ne voulait pas rester dans sa poche. Il fallait effectivement que. Je suis restée en train de dire, that's what I'm talking about. Vous allez voir que le riche, quand tu t'assois avec quelqu'un qui est riche, il dépense par jour. Tellement. Il va, 500 000. Oui, je t'envoie 1 million. Oui, oui. Il y a même une d'entre vous, je ne veux pas la nommer. Mais elle me dit qu'il y a un jeune de ses frères, il bossait ensemble. Après, quand son frère est rentré au Cameroun, son frère va donc raconter aux gens. Elle a toujours su, elle en permanence, minimum 3 millions. Ton frère m'a dit ça aux gens, ce n'est pas pour qu'on fait le coup pour t'agresser. Pour qu'on fasse bien sûr le français, vous avez entendu ce que je dis. Quand il m'a dit aux gens que tu as toujours 3 millions sur toi, c'est pas pour qu'on. C'est pas pour qu'on fasse le coup pour t'agresser. Hein? Et c'est vrai que c'est vrai. Hein? C'est vrai que c'est vrai que tu as toujours en permanence sur toi au moins ce. 1, 2, 3 millions là, voilà, voilà, ben voilà, tu vois, on ne va pas s'excuser quoi. Attendez, je dois charger. Where did I put my charger? Where is it? I need to charge my phone. Yeah, c'est là, c'est juste devant moi, franchement, vous voyez? C'est juste là. Habituez-vous. Tu restes souvent là. Tu prends, tu mets là. J'ai de l'argent partout dans ta maison. C'est même comme si quelqu'un vient seulement te visiter. Ah, la reine Roland, c'est comme ça, non? Il y en a qui sont méchants. En fait, c'est la jalousie. Quand la personne est dans ton bureau, il voit l'argent ici, là. Il voit l'argent là-bas, il voit l'argent là-bas. Ça commence à l'énerver pour rien. Why? Why? Pourquoi? Se rend compte que tu as construit là-bas. Et se rend compte que tu as acheté le terrain là-bas. Parfois, c'est même vos gens. Mais bien sûr, c'est pas possible parce que quand l'énergie commence à faire un genre là,
eux-mêmes seuls, ils vont quitter à côté de toi. Donc, tu vas sentir ton frère va dire que pardon, je dois rentrer à Yaoundé. Tu vois, je ne peux pas. J'ai la chienne de mon ami qui est enceinte. Je dois aller pour assister à l'accouchement. Oh, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur. Tu vas me parler de la piscine de bière. Ok, ben, Scarlett, relance la demande, on va voir. Relance la demande. Vraiment, Beauty, je sens que tu es, je te retourne cela, que tu reçois beaucoup d'argent aujourd'hui. Tu veux que me donner les cœurs depuis. Des gros cœurs comme ça, je ne sais pas combien les cœurs veulent sur TikTok. TikTok m'a donné l'argent l'autre jour. Apparemment, vos cadeaux, là, ça devient de l'argent après. Donc, merci beaucoup. Et apprenez aussi à donner. Souvent, tu arrives quelque part comme ça, Dieu te dit, tu vas manger quelque part. Hein? Il lui donne 100 000 à la maison. Lui donne 100 000. Ok. Seigneur, je donne en euros, en dollars ou en francs CFA. Oh, j'aime ça. Oh, Seigneur. Je n'aime pas rester avec les pauvres. Ah, Seigneur. Tu sors, tu donnes. Peut-être que la grand-mère, là, la nuit, là, elle a fait beaucoup de prières. Seigneur, voilà le loyer de depuis 3 mois qu'elle n'arrive pas à payer. Seigneur, je dois payer les pambés au village pour qu'on récolte les arachides. Ben, tu viens, tu fais sa journée, tu lui donnes ses 100 000. Et voilà, tu vois, tu deviens l'ange de quelqu'un. Hmm? Je vous assure, je ne vais pas parler de vos problèmes aujourd'hui. Je parle moins que de l'argent. Si quelqu'un veut parler de l'argent, il peut venir. Si c'est autre chose, là, c'est pas moi sur ça. Que wow, mes choses ne marchent pas. Wow, gna 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 gna. Mokotenyo. Oyo a. Mokotenyo. Il y a des jours où il faut que tu restes dans le luxe. Tu peux même pas rester dans un hôtel comme ça, luxueux. Tu t'assois là-bas, tu vois aussi comment les gens passent et dépensent l'argent. Tu restes au restaurant comme ça, quelqu'un vient manger 200 000 devant toi. Oui. Il demande, oui, vous avez apportez-moi un cristal là-bas. Trois. Oui, veuve Clicquot, ou c'est veuve, si c'est veuve quoi, veuve Clicquot. Oui, trois bouteilles. Tu restes aussi au ça, tu vois, ça te plaît. Ça te plaît. Et tu dois apprendre à aimer le luxe des gens. Quand tu vois quelqu'un, il est bien financièrement. Que ce soit aussi, ça te plaise aussi. Ah, voilà. Pourquoi? Et celui-ci, il n'a même pas mangé depuis le matin. Pourquoi est-ce qu'il vient manger ici, là? Hein? Pardon, attends un peu, ma chérie. Ce que je suis en train de dire là, ça me plaît jusqu'à ça, le goût. Attends, mais pas, attends. Ça a le goût. Donc, tu vois comment quelqu'un mange l'argent, ça te plaît. Demain, quand tu vas mettre ton argent, hein, t'inquiète pas. Les gens vont voir, ils vont venir m'augmenter sur ça. J'ai certains de mes gens qui me suivent. Souvent, ils conseillent, ils me disent que prends 100 000 là-bas, mamie. Achète-nous ta boisson avec. Souvent, je vois quelqu'un va te payer quelque chose, il va mettre 5 000 au-dessus, que c'est pour le jus. Après, t'insulter pour 5 000. La boîte, papa. 5 000. Même ma bonne, quand je vais donner le cadeau à ma bonne, je n'ai pas le cadeau de 5 000. Donc, s'il vous plaît, aimez l'argent. Bonjour, ma chérie, et bienvenue. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir sur ta page, sur ton live. Merci. Franchement, j'ai l'habitude de voir tes publications sur TikTok, mais c'est la première fois que je participe à un live. Alors, moi, je suis en France depuis 3 ans. Et je vais me livrer un peu à toi parce qu'il y a deux de tes posts qui m'étaient adressés particulièrement. Et depuis ce matin, je suis retournée sur ta page, sur toutes tes publications pour voir un peu tout ce que tu disais. Et puis, j'ai eu comme une connexion. Et donc, quand tu as lancé le live, j'ai dit, attends, il faut que j'appelle. Et à peine, pendant que tu étais en train de parler, tu as parlé de piscine de billets. Tu te voyais nager. C'est-à-dire que ce matin, tu t'es réveillé et tu as cette joie-là qui t'anime. Et tu te sens comme dans une piscine de billets. Quand tu as dit ça, j'ai dit, celle-là, elle a une connexion. Il y a une connexion, il y a quelque chose, il faut que j'appelle. Donc, j'ai insisté pour t'avoir. Ma soeur, je veux te dire merci. Je te dis merci pour les secrets que tu donnes. Tu sais, moi je suis d'une famille chrétienne. J'ai grandi dans la chrétienté et même aujourd'hui, là où je te parle, là, je suis dans mon 11e jour de jeûne. Je jeûne depuis 11 jours. Mm-hmm. Tellement je suis attaquée. Tellement je souffre. Tellement je souffre. Okay.
Bon, par rapport à tes attaques, je vais te dire quelque chose que quelqu'un m'a dit ce matin. Je peux dire que c'est un peu comme. J'ai aussi un mentor spirituel. C'est un mentor spirituel que Dieu m'a donné. La nature me l'a donné comme ça. Et il m'a dit quelque chose. Il me dit, quand tu traverses la souffrance spirituelle, premièrement, tu dois comprendre que si les gens pouvaient te faire quelque chose, c'est que ton cœur ne bat plus. C'est que quand tu pars aux toilettes, là, rien ne sort. Mais je pense que tu as fait pipi ce matin. Et je pense que dans la journée, tu m'as fait popo. Donc, je le dis encore, personne ne va gâcher ma joie d'aujourd'hui. Personne, ils ne peuvent qu'essayer. Mais tant que quelqu'un ne peut pas empêcher ton regard de. Ah, oh, j'aspire de l'air. Je personne ne te peut rien. Tu dois garder ça dans ta tête. Parce que l'ennemi va vouloir faire que tu parles plus de là où tu es et là où tu étais, plus que de là où tu es en train de partir. Or, je vous parle de l'argent maintenant parce que beaucoup d'entre vous êtes en train de partir dans un argent que tu vas te lever le matin comme ça. On te dit, oh, il te faut payer tel million aujourd'hui. Tu dis, d'accord, relax, relax. Dieu te dit, va au bord de la mer là-bas. Tu pars, tu marches dans le parc. Après, tu rentres, tu vois une lettre qui est venue à la poste. Là, on te dit, voilà, madame, la CAF vous doit 6 000 euros parce que je ne sais pas quoi. Voilà ton achat qu'on te donne dans la journée. Donc, je te remercie d'avoir vraiment participé. Je veux que tu comprennes que tout est dans ta perception. Si les gens là pouvaient prendre ta joie ou prendre ton argent, tu serais morte. Mais comme tu as envie, ça vous est déjà arrivé de. Tu es là, tu es fâché. Tu es arrivé quelque part, tu es fâché. Tu vois quelqu'un qui siffle. Oh, bonjour à tout le monde. Premier instinct que tu as, c'est de lui répondre mal. Parce que ça t'énerve qu'une autre personne soit bien heureuse. Donc, conservez votre joie. Deuxièmement, là où vous partez doit être tellement clair pour vous. Si bien que, même si aujourd'hui tu vis là dans la rue, que tu as dormi, quand tu te réveilles comme ça, là, tu cherches un McDo pour aller te brosser les dents dans la douche du McDo. Que ça ne se voit pas sur toi. Au contraire, c'est même toi qui vas donner même 1 € à quelqu'un dans la rue. Bon, voilà, tu achètes même un truc de 2 €, tu lui donnes. Alors que tu n'as pas de logement. C'est ça l'esprit de j'appelle ça un esprit de guerrier. Un esprit de guerrier. Et comme je suis à vous parler de joie comme ça, ne vous dérangez pas. Hein. On va vous attaquer. Tu n'es pas censée être heureuse, tu n'as pas d'enfant. C'est l'enfant qui va venir mettre ma joie. Naweti, excusez ma vie. Everything you put your hand go work. Donc, ma chérie, merci beaucoup. Je vais continuer à parler de l'argent, vraiment. J'ai trop envie de parler de l'argent aujourd'hui. Parce que je sens qu'il y a l'argent qui arrive, ben, beaucoup de Non, personnes. non, c'est en fait la piscine là, dont tu as parlé là, la piscine. Il y a Oui. 2 jours, je me voyais dans une piscine, mais avec des billets qui m'arrivaient là, jusqu'au niveau de mon cœur. J'étais dans une piscine avec des billets qui m'arrivaient jusqu'au niveau de mon cœur. Donc quand tu as parlé de piscine, j'ai dit, il faut que je t'appelle, parce que ça là, ça ne peut pas être un hasard. C'est pour ça que je l'ai appelé. Donc je vais maintenant passer je vais commencer à appeler maintenant cette piscine d'argent là-dedans. Merci beaucoup. De rien, ma chérie, Merci merci. beaucoup. Je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup Je t'en d'énergie. prie. Je t'encercle de lumière. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Everything you put your hand go work. Your name will open doors. Amen. Yourself will be your boss. Amen. 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 La reine Rolande, on n'augmente pas l'argent sur l'argent. Quoique, je t'ai dit que tu gardais le truc là, non. Tu as tellement l'argent que le jour de ton anniversaire, il ne sait pas ce qu'il devait te donner. Tu comprends ça? En fait, ça m'énerve quand les gens me disent ça. Genre, tu as tout, tu as déjà tout, je ne sais pas ce qu'il va te donner. La reine Clara, joyeux anniversaire. Ok? Je ne voulais pas interrompre la dame qui parlait. Tu as tellement d'argent. Je vous ai dit que je ne parle pas des faux trucs aujourd'hui. Je ne parle pas de. Je ne veux pas parler des faux rêves. Je ne veux pas parler des Decepticons. On va parler de l'argent. Oh, l'argent. L'argent. Et vous savez, il y a cela quelques années, j'étais dans une relation avec quelqu'un qui.
qui partaient dans des grands hôtels. Mais l'argent de ces grands hôtels-là, c'était un argent volé. Et je disais toujours à cette personne à l'époque que je ne sais pas pourquoi, mais je serai très riche. Je sais qu'il y aura un moment de ma vie où chaque pays où je vais partir, je vais être dans les plus grands hôtels. Que moi-même, j'aurais payé. Moi-même. Pas que c'est le gars, le dragueur. Et comme il a payé, là, il va te faire les scènes. Il va vouloir, oh, donne-moi ça par derrière parce que je t'ai donné, je t'ai payé le ceci. Non, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Donc, quand ça s'est passé, l'autre jour, j'ai dit à mon mari que, tu sais, j'ai tellement de gratitude pour le Seigneur. Parce que, il y a des choses qui sont en train de se passer actuellement. Et c'était des prophéties que j'avais reçues. Tu vois qu'on a prophétisé sur toi, voilà. Je te vois avec une robe de diamant. Ha, haya, haya. Tu galères un an, deux ans, trois ans. Seigneur, la robe, le carburant est fini dans l'avion en route seulement ou quoi? N'avoue-t-il, Seigneur? Quand j'ai compris que l'affaire là, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver sur ma page. Bonjour. Recevez l'argent aujourd'hui. Recevez l'argent. Recevez l'argent. Recevez l'argent. Quand j'ai compris que la façon dont Dieu te connecte à ton argent, il va te donner 200 000. Tu as toujours voulu la chaussure là, non? La chaussure là, c'est 150 000. Va acheter ça aujourd'hui. Ah, Seigneur, si j'achète, je vais faire comment? Tu vas, tu achètes la chaussure. Tu portes la chaussure, ça te plaît. Maman, tu marches avec la chaussure. Oh, oh madame, vous êtes tellement jolie. Oh, merci. 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 Tu prends là, tu achètes la fourrure là, tu mets la fourrure sur toi. Dès que la fourrure là te touche comme ça là, ça fait que comme tu fais que tu touches, tu touches. Ah, l'argent est bien. Oh madame, waouh, j'adore votre fourrure madame. Waouh. Ta vibration monte. Ta vibration monte. Mais 11h. Oui, tu te rappelles le business qu'on devait faire à 5 millions là, non? Oui, 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 oui. C'est tombé, c'est tombé. Comment ton compte, j'envoie ta part de 2 millions? Écoutez, il y a la vibration de la pauvreté. Wendezi, oh, Jésus m'aime. Moi-même, je m'aime, Wendezi. Tu as compris? Tu as compris? Je m'aime. I didn't like myself. I didn't like myself. I didn't like myself. Il they get me. I they like myself. Parce que les gens qui vont vite te dire tout le temps, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Tu sens une flèche qui vient sur toi. Pif, Jésus t'aime. Aïe. Pourquoi tu me fais mal? Jésus t'aime. Pourquoi tu me fais mal? Why? L'argent appelle l'argent. Mettez encore la chanson là sur YouTube pour vous écouter. Mettez-vous écouter encore bien. Le génie, je ne vais même pas parler des dîmes, je ne vais même pas parler de prémices aujourd'hui. Les prémices, c'est le premier argent que tu donnes sur un business. Supposons que tu lances ton restaurant, première recette que tu as sur le restaurant, tu donnes, tu retournes ça à Dieu. Ok? Ça, c'est pour que la main de Dieu soit sur ton business. Mais je ne suis pas là aujourd'hui pour demander l'argent. J'ai même déjà pointé ma journée. Tout l'argent que je reçois, j'ai déjà pointé ma journée. Comment donc? Il n'est même que 11h, donc quand c'est comme ça à 11h, ça veut dire que toute la journée, cela, ça sera grave. L'argent. Si tu pouvais juste te débarrasser de la religion coloniale et rester authentique. Si je m'aime et tu ne m'aimes pas, je suis désolée, mais ça ne me dérange pas. Ok. T'as compris, non? T'as compris. Regarde comment ça me plaît.
Apunaga. Apunaga. Oyuha. Apu. Apu. En fait, je suis désolée, mais votre opinion, tu n'es qu'un personnage derrière mon téléphone. Tu vois, non. Je ne vois pas pourquoi je laisserais ma vie être influencée par toi, tu vois. Wouh! Oh, Chandarabako, c'est Karabachande. Avec tout l'amour que j'ai pour toi, être de lumière que je ne connais pas. Que ce soit les... Il y a des jours, quand j'étais en Angleterre, par exemple, vous savez, je ne me vois pas comme quelqu'un de couleur, ou blanche, ou noire, ou brune. Parce que l'amour n'a pas de couleur. Il y a des jours où je me suis baladée dans les rues de Birmingham. J'ai reçu tellement d'amour venant des blancs. Tu marches dans la rue, surtout à London. London is beautiful. Tu vas voir un blanc qui arrive là. Oh, oh, you look so nice. Oh my gosh. Et tu te tapes une conversation de 5 minutes qui est tellement exquise. Bon, pour les consultations de Libreville, attendez, je pointe un peu. Consultation de Libreville, 07 41 80 080. Ça, c'est pour Libreville. 07 41 80 080. 07 41 80 080. Ça, c'est pour Libreville. OK. Donc, je me rappelle la première fois que je suis allée à Paris. J'étais tellement... Je suis allée à Lafayette. L'hôtel dans lequel on m'avait mis, c'était vraiment à côté de Lafayette. Et le temps, là, ma vibration était très haute. J'étais en jaune. J'avais porté une chemise Versace avec un pantalon jaune. J'ai pris des photos avec tellement de blanc le jour-là. J'ai rencontré une femme qui venait du Japon. J'ai rencontré une autre qui venait de la Hollande. J'ai rencontré un gars chez MAC. Il m'a fait d'ailleurs, il m'a mis des trucs sur du make-up sur les sourcils, les cils, pardon, de plusieurs couleurs. Je crois qu'il était gay, mais il avait tellement d'énergie positive qui venait de lui. Like, you know what I mean? En tout cas, ouais, un peu non. Ouais. Pendant que vous êtes en train de, dans la joie là, là, vos affaires sont en train de se débloquer. Je vous assure. Je vous assure. Gossimo. Gossimo. Oh, you are. Nems, je ne suis pas ici pour discuter avec toi. Tu as compris? Quand j'appelle mes ancêtres, parle de ma mère, ma grand-mère. C'est pas pour autant que je vais aller vouloir insulter un blanc. Ça me sert à rien. Ça m'apporte rien du tout. Ça m'apporte rien du tout. Et il y en a parmi nos sœurs qui sont mariées aux blancs. Pourquoi je vais venir répandre l'énergie négative, genre les blancs, tu vas te coucher, tu viens, tu m'écoutes, tu dis Après tu vas te coucher à côté de lui, tu dors. Non, je pense que c'est de l'hypocrisie. Ouais. Ouais. L'amour triomphe beaucoup. C'est pour ça que quand vous avez la mauvaise énergie, vous êtes négatif, vous voyez quelqu'un qui est heureux et qui a l'argent, ça vous énerve. Pourquoi? Pourquoi? Voilà, elle ne fait rien de sa journée. Son mari lui donne tout l'argent. Tout ce qu'elle a à faire, elle se lève, la ménagère prépare pour son mari. C'est même pas elle qui prépare. Oh my God! Ok, la ménagère prépare pour son mari. Elle ne sait même pas préparer. Écoute, quand tu as l'argent, il y a les choses que tu n'as pas besoin de savoir faire. Vous avez suivi. Qu'on ne vous frustre pas. Let no people frustrate you. When you got money, there are certain things you don't need to do. Même compter ton argent. Et que tu as besoin de connaître compter ton argent. Un, j'arrive à la banque, à Finland First Bank, à Douala. Je vois un monsieur là, un papa, il devait être... Peut-être du Burkina ou du Sénégal. Afrique de l'Ouest en tout cas. Et j'avais laissé ma comptable au bureau. Il avait un jeune homme qui comptait son argent. Je vous assure. Quand il dit ça,
j'ai dit que I don't like you. Tu me plais. Donc on arrive, j'étais revenue de la Côte d'Ivoire, j'avais beaucoup d'argent sur moi avec le franc de l'Ouest. Donc, il est là, il est au téléphone, il finit. Vous dites, oh, je t'ai dit que tu ne me plais pas, tu ne m'intéresses pas. La fille, s'il veut même quoi. Je le regarde. Et j'avais la peine à compter mon argent. Je ris. Il dit, mais c'est vrai, je lui ai dit qu'elle ne me plaît pas. Je lui dis qu'elle veut l'argent. Il me regarde, il a l'argent dans ma main. Et moi, ça dit que, mais toi, je te veux. Je lui dis que non, j'ai à mon argent, monsieur. Ne t'en fais pas, j'ai à l'argent. Oh, on a babadé. Finalement, il a décidé de prendre mon argent, de me donner, de changer, de faire du franc CFA. Donc, il me dit, bon, attends d'abord, il compte, donc. Donne à mon gars. Il était là debout comme ça. Je donne l'argent à son gars. Le gars compte, papa, une, deux, trois fois, il compte, il est sûr que c'est la somme. Et il venait faire un retrait de peut-être 15 millions comme ça. Donc, il fallait que son compteur compte l'argent. Oh my God! J'aime trop, hein. En fait, il y a les boulots, il y a les employés que vous allez avoir. Les gens me disent que, elle se prend pour qui? Je prophétise sur vous au nom de Jésus. Je prophétise sur vous! Vous allez engager les compteurs d'argent. Vous allez même mettre le cash machine chez vous. La banque va venir, madame, nous sommes venus approvisionner votre machine. C'est bon, madame? Oh, j'aime les idées comme ça, ça me plaît. Oh my God, that's nice. It sounds good, isn't it? I like it. Dans chaque pays, tu as des maisons, tu as tes chauffeurs. Donc, 20 jours par mois, ton chauffeur ne fait rien. Il reste chez lui, il chill. Et quand, ah, madame est là. Il parle à l'aéroport, il te cherche. Il y a le chauffeur. Oh my God, oh my God. Money is good. Money is sweet. What are you talking about? Oui? Recevez votre argent. Recevez votre argent. Vous allez créer des boulots bizarres dans vos maisons. Oui. Ah, tu vas charger. Tiens, les chargeurs sont là. Tu peux prendre un, tu vas en bas. Oui. Vous allez créer des professions bizarres dans votre maison. Ouais, c'est le jardinier. Non, attends, non. C'est l'assistant du jardinier. Non, attendez. Trouvez-moi des professions assez bizarres dans votre maison qu'on peut trouver. J'ai suivi un TikTok ce matin. Le gars disait qu'il a une fois été coiffeur d'une dame. Elle et son mari, ils avaient décidé de se marier dans chaque pays où ils avaient une maison. Donc, ils allaient faire 30 mariages. Vous me suivez? Vous suivez? 30 mariages. Si tu as 30 maisons, à ton avis, tu peux potentiellement habiter dans les 30 maisons-là combien de fois par an? Maître de maison, non. Maître de maison, quoi, ça va, oui. Le blanchisseur, non, ça va. Le goûteur, le goûteur, le goûteur. En fait, je veux le genre de profession que quand tu as ça chez toi, tu dis, souvent tu veux ça, tu l'appelles, tu dis que tu sais à quoi dans la maison c'est. Ah madame, je suis votre goûteur, vous vous rappelez? Je suis votre goûteur, madame. Ah, d'accord, d'accord, ok, vas-y. Le classeur de chaussures. Oh yes, Godwin, porteuse de sac à main. J'ai rencontré une fois Muriel Blanche à l'aéroport d'Abidjan. Elle m'a beaucoup inspirée. Le testeur de parfum. Oui, mais rêveuse, vous avez commencé. Muriel Blanche était assise en business class et elle avait une personne qui portait son sac. Elle avait son chinda. Bonjour, la reine Muriel Blanche, si tu regardes cette vidéo, ok? Elle avait quelqu'un, j'ai remarqué qu'il y avait une dame qui portait ses valises. Et quand elle est entrée, la dame est allée s'asseoir derrière et elle est en business class. Ça m'a intéressé. Le vétérinaire maison, oh diva, that's good, yeah. Le chinda. Ouais, Seigneur. Le goûteur goûte tout, hein. Non, il ne goûte pas. Non, 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 non. Comment tu me dis ça? Faut pas avoir les idées tordues, hein.
Oh là là, planète, tu connais. Elle a dit, ou c'est un homme, une femme, une personne qui écoute, donc, qui t'écoute parler. Oh, I like that one. That is very... Oh, l'extincteur de l'ampoule. Bonjour la reine Chacha. Regardez comment vous faites mes cheveux. Ah, ça c'est... Ce que les cheveux grattent beaucoup là, ça c'est le chakra de la couronne, crown chakra. Grâce à ça, vous avez de nouvelles idées, de nouvelles opportunités de business qui sont en train d'arriver. Oh, l'autre qui m'a bien intéressé, celui qui va t'entendre bavarder, le porteur de sac. That is good. Parfois, mon sac pèse beaucoup. Je ne sais pas pourquoi les sacs des femmes pèsent beaucoup. Like, seriously. Le guetteur. Attends, la reine Rolande, il va guetter que tu as fait de faire quoi? Vous là, vous avez, c'est l'ouvreur de porte, le brosseur de dames, celui qui donne les serviettes après chaque bain, le frotteur de dos, non, il peut se déplacer un jour, il peut avoir un être un peu déplacé, il dit qu'il veut plus frotter derrière, il veut frotter devant. Les cheveux, c'est le crown chakra. Claudel, si tu, Claude Stella, si tu m'écoutes et tu n'as pas la joie en toi vraiment, celui qui chante pour te donner la bonne humeur, j'aime l'autre là. Oh my God, vous avez les idées, ça me plaît. Ok, la reine Rolande, c'est bon. Si on parle mal de toi, ça c'est bon, c'est bon. That's good. Ouais, Seigneur. Celui qui te fait rire. Oh my God, vous avez tellement d'idées. Oh my God, this is so nice. Celui qui te donne la joie. Donc imagine, quand tu es de mauvaise humeur. Oh! Mon clown là. Oui madame, oui madame. Allez madame, regardez ça. Oh, ça c'est un tétose. Et je pense que ton clown serait très bien payé. Tu dois bien le payer. Parce que ce clown est là pour te... Tu dois donner même un truc comme 1 million le mois, hein? Oui. Oh, le classeur d'argent. Good. That is good. Ouais, that's good. La reine Alice, bonjour. Personal shopper, ça m'intéresserait bien. J'aimerais bien avoir même 3 personnes. Le ventilateur. La reine Roland, toi, c'est là, hein? Quelqu'un qui ferait du shopping pour toi. J'aime pas faire le shopping. Je sais pas pourquoi on a créé le shopping. Like, why? Why? J'aimerais bien avoir au moins 5 personnes. Celui qui achète les chaussures, celui qui achète les caleçons. What? Non, non, non. Celui qui discute des prix. Moi, j'aime pas moi discuter les prix des choses. Ça me fait genre. Porter les chaussures. Il enlève tes chaussures. Entre tes rendez-vous, oui. Alexandra, je suis pas en train de parler d'argent. Je veux pas parler de christianisme ou de. Je veux pas. Tu as compris, ma chérie. I don't wanna do this anymore. I don't wanna talk about that now. Cause I'm too happy. Le masseur. Si tu veux avoir un masseur, ton gars va dire non. Ton mari va dire non. Pourquoi c'est un homme qui te masse? Vous les connaissez? Le raconteur. L'habilleur. Acheteur de caleçons, oui. Ah, celui qui parle au téléphone pour toi, oui. Personal assistant. Ouais, that's good. Le chatouilleur. Il va décaler sur toi, ma chérie. Le chatouilleur va te chatouiller un jour. Il va dire qu'il faut qu'il teste un peu ailleurs. Oh, c'est une vidéo. Ouais, Seigneur. Le laveur de pied. Oh ouais, celui qui te gratte la tête, ouais. Et puis, attends, de toutes les façons même. Je suis même qui pour juger. Écoute, c'est ton agent, non? C'est ton agent, non? Même si tu mets l'habilleur, le gratteur, le ceci, c'est ton agent, non? Hein?
Donc le final alors, c'est que it is my money. C'est mon âme. C'est mon âme. C'est mon argent. Ah, c'est une vidéo. Tu vois, quand tu réalises qu'en fait, oh, that's good. That's a good one, you know. That's good. Mm-hmm. Mon âme. Mm-hmm. Cheers to the freaky weekend. I drink to that. Yeah, yeah. The Jefferson sinking. Yeah, yeah. Don't let the bastards get you down. Turn it around with another round. Ah, la joie de ça. Oh. Mm. Life's so sweet to be sitting around miserable. La vie est trop sucrée pour que tu t'asseyes misérable. People gonna talk whether you're doing bad or good. Les gens vont parler que tu fasses bien ou mal. Ok? Voilà, quand tu prends le thé, tu l'as fait comme ça. Got my drink on my mind, on my money. Oh, looking so hot, gotta find me a honey. La toux, hein? Je chasse la toux, c'est de ma gauche au nom de Jésus. Ouais, Seigneur. Et après, toutes les tablettes, toutes les choses. Ah. Thank you, Frank. You like my vibes. Thank you so much. I like it too. It's so nice. Looking damn hard, gonna find me your honey. Ouais. Vous avez fait beaucoup de travail spirituel. Vous avez fait beaucoup. Ça, c'est la saison où vous devez aussi laisser que ça entre. La voiture que tu rêves depuis là. Go and buy the car. Buy the car. Buy the car. Mon YouTube, c'est The Gift Digger Academy. Je vais voir si je peux commenter ici, là, chez vous. The Gift Digger Academy, T-H-E. Ok, je vais vous l'écrire sur TikTok rapidement. T-H-E. C'est ça mon YouTube. Et je donne les numéros de téléphone. Le numéro général pour tout le monde, c'est 00237 680 71 0701. Donc je viens de mettre ma page YouTube de Gift Digger Academy. The Gift Digger Academy. Yeah. That's where you can find my videos. Yeah, just subscribe to my channel, please. Donc, vous allez voir que quand vous allez commencer à être aussi radieuse, ça va provoquer la jalousie des gens. Like, il se prend pour qui? Mais d'habitude, elle se plaint ici tout le temps. Babe. Quand tu es dans une bonne voiture, avec une belle clé, avec un bel écran qui te passe quelque chose, ça, que tu regardes. Tu peux pas être triste. Parce que même les chocs de la route sont amortis par la voiture. Ouais. Votre argent va commencer ici. Là. Ah, Blanche l'étoile, tu me dis que quand on boit le thé, on soulève les deux derniers doigts. Comme ça, là. J'aime moi les choses comme ça. Hein. I like it. Comme ça. Hein. Oh, that's nice. It tastes different, you know. Yeah, thank you. Merci.
Je sais que ma bonne humeur va déranger certaines personnes. Mais il m'en fout de ça. Tu vois, quand tu es content, quelqu'un veut te... Mais ça ne passe pas, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Même dans ton rêve, tu te vois en train de manger l'argent. Frank, Deba, it doesn't taste different. I'm just, maybe not. I'll try it later and let you know, okay? Et puis, vous savez quoi? Les gens qui vous jalousent parce que vous avez l'argent. Si c'est eux qui avaient l'argent que vous avez, ce que vous ne respirez plus, je vous dis quoi? Ce qu'on t'a toisé 50 fois. Oh. Dieu connaît à qui il donne l'argent. Dieu connaît! Dieu n'est pas fou. God ne décrase. Oh. God ne décrase. The Empire Market. I bless your page. Je bénis ta page. Oh. Tu as compris? Si les gens qui vous... Imagine seulement un jour, tu lui as donné un petit poste dans ton entreprise où il contrôlait 2-3 personnes et était au-dessus d'eux. Hey, je suis le patron, hein? Je suis le patron. Allez, Hein? Vous connaissez la parabole du monsieur qui était endetté et qui était un ungrateful, qui avait de l'ingratitude dans la Bible. Donc, je vais un peu résumer la parabole. Le monsieur devait de l'argent à son patron bien. Et cet argent, c'était vraiment énorme. Genre, supposons, on va dire 5 millions. Et le numéro de téléphone, je vous dis d'abord, c'est le 00237. Vous devez acheter mes kitos. Donnez-moi l'argent. 00237 680 71 07 01. Donc 00237 680 71 07 01. 0701. Au Gabon, c'est le 00. Non, on m'a laissé l'index. 0741 80080. Donc, le monsieur devait 5 millions à son patron. Il arrive. Ouais, patron, s'il te plaît, je n'ai pas les 5 millions pour te rembourser. Je t'en prie. Le patron dit, ok, vas-y, paye-moi en petite portion. Il se tourne, il arrive. Une autre personne lui devait 50 000. Oui, mamie. Les écouteurs. Non, j'ai pas les écouteurs, mamie. J'ai un ici là. Et tu dois l'avoir chargé. Tu sais quoi, tu vas l'acheter les écouteurs aujourd'hui, c'est mieux. Ok. Pas chargé. Quand lui doit 50 000. Personne-là, si vous avez l'argent que vous avez, ce qu'on ne respire pas. J'ai un jour, un de mes anciens fils, je fais beaucoup aux gens qui m'appellent, attention aux gens qui m'appellent maman, maman. Demain, quand ils vont t'insulter, ils n'auront même pas peur. Maman, maman. Va voir la mère qui t'a accouché, tu l'appelles maman. Anyway, continuons. Attendez un peu, pardon. Je dois, Facebook, une minute, et je dois gérer.